Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de nous occuper du sujet du jour, j'ai plusieurs annonces. D'abord, remercier l'ami Thorvast qui m'a envoyé ça. C'est un truc pour pouvoir nettoyer mon aérographe et je l'ai déjà utilisé. Merci beaucoup. Un autre gentil barbu, JMC19 Jean-Marc, qui m'a envoyé des outils pour travailler le cuir. Dans ma wishlist Amazon, merci à tous. Le buste de Batman que j'avais mis en vente sur eBay est parti. Dans une bonne maison, ça me fait très plaisir. Et donc, j'ai mis deux autres éléments sur eBay. D'abord, j'ai mis mon skateboard que j'ai peint à l'acrylique. Un design original. J'ai mis en vente 50 balles sur eBay. C'est des enchères. Donc, vous avez une semaine. Et j'espère aussi qu'il partira dans une bonne maison. Le deuxième élément que j'ai mis en ligne, c'est ma caisse claire que je me suis fabriquée il y a de ça quelques mois. Qui prend la poussière dans un coin. Elle aussi, je l'ai mis en ligne sur eBay. Elle aussi, c'est une enchère. À partir de 50 balles, c'est bien sûr une pièce unique du custom. Et j'espère aussi qu'elle aussi ira dans une bonne maison. Je suis sûr. Dernier élément, il y a... je viens de mettre en ligne sur le shop de Etsy des trousses que j'ai fabriquées avec des sacs cabas qui étaient tout marave. Donc là, par exemple, on a une bleue... des thèmes un peu urbains, comme ils disent. Il y en a 10, c'est des trousses qui sont complètement custom, faites par moi. Je vais vous prendre cet exemple-là, qui font à peu près 24 cm par 14. Il y a un petit zip, et surtout, il y a une petite tirette en cuir. Ça me permet justement de tester, d'améliorer mon utilisation de la machine à coudre. Et puis, voilà. Donc, ceux-là, ils sont en vente 10 balles sur le shop d'Etsy. Il y en a 10, et pas un de plus. Voilà, toutes les annonces ont été un peu faites, on va pouvoir traiter du sujet du jour. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, depuis à peu près le début de l'année, j'ai décidé, ou même un peu plus tôt, j'ai décidé de changer beaucoup de choses dans mon alimentation. Je suis suivi par Shirley, qui est une diététicienne psychopathe, qui m'envoie tous les mois un plan d'alimentation avec exactement qu'est-ce que je dois prendre comme bouffe. Donc je mesure ma bouffe, etc., etc. J'en suis à mon 32e entraînement, je pense. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi, je vais à la salle de gym, je fais un peu de cardio et un peu de muscu. Et donc il y a eu pas mal de transformations sur cette dernière semaine, qui se voient pas spécialement comme ça, mais j'ai perdu un tout petit peu de poids, j'ai perdu à peu près 5 kilos, et je suis dans le processus de transformer beaucoup de gras en muscle. D'avoir des entraînements comme ça intensifs 3 fois par semaine, ça a des conséquences. Mais la première, c'est que mon corps, fondamentalement, a changé, et est en train de changer. Je suis plus musclé, j'ai un peu moins de gras, et il y a des transformations qui sont assez impressionnantes. La transformation la plus impressionnante, c'est sur les cuisses, vous le voyez pas. J'ai perdu à peu près 2 tailles de pantalon, mais surtout, mes cuisses se sont super musclées. En fait, j'ai redécouvert des muscles que j'avais pas vus depuis des siècles. Et ça, c'est vraiment pas mal. Mais un élément qui est important, c'est justement d'apprendre et de savoir écouter son corps. Quand on passe d'un mode complètement sédentaire, sans faire du sport pendant plus de 15 ans, à je change mon alimentation, j'essaye de manger moins de merde, et je me bouge le cul au moins 3 fois par semaine, bien sûr, il y a des petits couacs. Aïe, d'ailleurs, voilà. Un des premiers couacs qui est arrivé, c'est... Je me suis aperçu, en fait, que j'ai mon épaule droite, qui est plus basse que mon épaule gauche. Donc en fait, je suis un peu de traviole. Je m'en suis aperçu en prenant des photos, puisque je le fais à peu près toutes les 2 semaines pour les envoyer à Shirley, et surtout pour aussi documenter un peu mon évolution. C'est des photos en caleçon, de face, de côté, de dos, et la première fois que ma chérie m'a aidé à prendre une photo de moi de dos, elle m'a dit « Là, dis donc, t'as l'épaule droite qui est vachement plus basse que l'épaule gauche. » Et en fait, au fur et à mesure de mon entraînement, je me suis aperçu qu'en fait, c'est vrai, mon épaule droite est beaucoup plus faible que mon épaule gauche. Et depuis à peu près 15 jours, mon épaule droite me fait mal. Et c'est là où il est important de séparer la motivation et la préservation de son corps. Faire du sport, c'est très bien. Se muscler, c'est encore mieux. Par contre, ruiner son corps, c'est pas bien du tout. Donc, par exemple, depuis le début de la semaine, je ne suis pas allé au sport, volontairement. Ça me démange très 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 beaucoup d'aller à la salle de gym, mais je me connais et je sais que si je vais à la salle de gym, je ne vais pas que faire du cardio, je vais aller essayer de pousser un peu de fonte, ce qui n'est pas spécialement bon pour mon épaule.
J'ai un rendez-vous chez une ostéo le 9 avril pour voir justement ça, mon épaule, ma cheville aussi, ma cheville gauche, que je me suis pété et qui n'est pas en très bon état et qui est toujours un peu moyen. Et donc j'ai commencé à apprendre, ben justement, plutôt que de continuer à pousser comme un porc en disant « Ouais, c'est bon, ça ira, allez, on y va », ben d'écouter un peu mon corps et de faire attention à ce que je fais. Donc, ça avait commencé il y a quelques semaines où, par exemple, quand je pousse de la fonte pour les épaules, je mettais un tout petit peu moins de poids sur le côté droit que sur le côté gauche. Mais là, avec tous les éléments qu'on a fait avec Sylvie pour l'aménagement de notre nouveau local, on a vraiment forcé. On a trimballé un peu plus de 3 tonnes de matos. Donc, ça a eu un impact sur certains éléments de mon corps et de mon épaule en particulier. Se transformer, c'est très bien, mais par contre, il faut faire attention. Les petits bobos peuvent devenir des plus gros bobos si jamais on n'y fait pas attention et si on les soigne pas. C'est toujours ce combat entre mon cerveau qui me dit « c'est pas grave, t'as un peu mal, continue à pousser », et mon corps qui m'envoie des signaux en me disant « Non mais là, t'es en train de déconner, gros, qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Je pense aussi que c'est important, justement, de modérer, entre guillemets, sa motivation. Le but, il n'est pas, enfin, en tout cas pour moi, il n'est pas juste de faire un run et de se barrer. Le but, il est de faire ça sur le long terme. Donc, je préfère prendre une pause pendant une semaine ou un peu plus, ou même un mois, par rapport au sport, peut-être la semaine prochaine, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de retourner à la salle de gym pour faire juste du cardio et pas pousser de la fonte. Peut-être juste bosser sur les jambes ou un truc comme ça, mais pas le haut du corps. Et puis, quand je serai allé voir mon ostéo, quand j'aurai mis en place certaines contre-mesures, et bien là, je pourrai reprendre sereinement mon entraînement et continuer ma transformation, entre guillemets. Mais c'est important de prendre soin de son corps. Et c'est important de faire attention de ce qu'on fait. Ce sera un peu plus long que prévu, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas de deadline, hein. C'est juste j'ai envie de me sentir mieux. Donc, je mange un peu moins mal et j'essaye de faire du sport. En parlant de ça aussi, de temps en temps, il y a un côté psychologique qui est très très important. De temps en temps, je fais des espèces de mini dépressions. Et c'est vrai que bouffer du poulet et des légumes, ça le fait pas. Donc de temps en temps, oui, je fais des écarts. Oui, je bouffe un petit bout de chocolat ou un truc comme ça. C'est aussi, il faut aussi pas être complètement un espèce d'ayatollah de la forme. De passer d'un espèce de vieux blob à son inverse, c'est pas bon. Faut garder une certaine mesure. Et si ce morceau de chocolat me permet justement de continuer dans mon effort et d'aller encore plus loin, moi je dis, ça me dérange pas. Globalement, ça se passe plutôt pas mal, juste il y a quelques petits accros sur le chemin et il faut arriver à bidouiller ça. Voilà un petit peu, c'était histoire de faire un petit point et surtout de partager aussi un peu mon expérience en disant faire du sport c'est bien. Par contre, c'est vrai que ça a des conséquences sur le corps. Il y a certains matins, j'ai mal aux genoux, j'ai mal partout et puis il y a certains matins, ça va plutôt pas mal. Donc il est important justement d'écouter son corps et aussi de consulter des gens dont c'est la spécialité. Allez voir un médecin, faites-vous des prises de sang régulières, savoir si vous n'êtes pas en manque de certains oligo-éléments ou de certains bibules. Allez voir un kiné, un ostéo, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va pouvoir vous aider justement à aller encore plus loin et à faire mieux et de façon plus efficace sans casser complètement votre corps. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. En ce moment, il y a moins de vidéos parce qu'on est en train de monter le nouvel atelier avec Sylvie. On a monté une partie des murs. Il y a encore des bouts de murs à monter, il y a encore pas mal de boulot à faire. Mais ça avance, ça arrive au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos et plein de projets qui arrivent très très vite. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépette et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Mais écoute ton corps, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.